Hey coucou les amis, c'est Crime, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo réaction sur le trailer du prochain pack d'extension des Sims, le pack sur l'écologie. Donc vous avez déjà sûrement dû voir le trailer, moi pas encore. On va aller voir ça ensemble. Donc cette vidéo va se répartir en trois parties plus ou moins. Une première partie réaction, donc je vais lancer le trailer et vous allez voir à ma tronche si j'aime pas, vu qu'en général ça se lit un peu sur mon visage. Et après, on analysera peut-être un peu plus en détail le trailer en lui-même, hein, genre en vitesse réduite, image par image, tout ça. Et en dernière partie, très rapidement, en conclusion, je vous donnerai un petit peu mon avis, ça me plaît, ça me plaît pas. J'avoue que j'ai quelques réticences, parce que si le thème me plaît, j'avoue que la petite description pardon, qui a fuité hier ne m'encourage pas trop. Et quand je vois ça là, je suis pas beaucoup plus emballée, hein. Comment te dire que le look c'est pas non. Et bon, les cheveux de la dame à droite peut-être. Enfin bref, on va pas tirer des plans sur la comète, on va aller voir le trailer. Et puis peut-être que nous allons changer d'avis, peut-être que EA va me surprendre, en sachant qu'en général je suis plutôt bon public, hein, mais écoutez, on découvre ça ensemble. Allez, c'est parti. Bon bah écoutez, c'est pas mal, j'ai vu quelques petits trucs sur lesquels je vais revenir avec vous et puis on va y aller doucement image par image pour essayer de voir ce qu'on n'a pas pu voir à la première lecture, parce qu'en général ça va tellement vite, il y a tellement de choses à voir que en général quand on la regarde une deuxième, troisième, quatrième fois, on voit des choses qu'on n'avait jamais vues jusque là. Donc allez go. Donc là c'est la ville un peu effectivement polluée. Alors là, j'aime qu'on fasse une pause 2 secondes parce qu'en fait ça m'a fait rigoler dans le trailer parce que pas plus tard que hier ou avant-hier en live, en fait, j'expliquais, on parlait avec mes abonnés et on disait que en fait, je me souviens que moi dans les Sims 2, en fait, on pouvait mourir quand il y avait trop de déchets autour à cause des mouches. Et donc parler de ça hier avant-hier et retrouver un Sims recouvert de mouches dans le trailer 1 ou 2 jours plus tard, ça m'a voilà, ça m'a fait sourire. Je me suis dit bah voilà, je le savais. Donc, ça c'est. Tu sais, ça c'est le nez du game changer, tu sais, ça c'est... Ah, bah attends. Allez, go, la suite. Ah oui, alors ça aussi, ça m'a fait sourire, parce que... des maisons bunker. Moi, j'ai déposé un brevet pour ça. ça fait 6 ans que je fais des maisons bunker. Et que tout le monde se fout de ma gueule. Et là, maintenant, les gars, ils sortent carrément un pack pour faire des maisons bunker. Encore une fois, le pif, le talent, voilà. Vous aviez pas pris l'entière mesure de mon talent. Voilà. Donc la prochaine fois que vous aurez envie de critiquer parce que ma maison, elle est un peu carrée, il n'y a pas forcément des fenêtres, etc. Réfléchissez. Que peut-être c'est l'avenir des Sims.
Allez, suivant. Donc il y a une machine effectivement à broyer. Une espèce de mobilette là derrière. Et ça fait des cubes. Alors qu'est-ce qu'on va faire de ces cubes après? Je sais pas. Ah, on peut fabriquer ces bougies. Ça, c'est plutôt cool. Franchement, ça, j'imagine qu'après, on pourra peut-être les vendre aussi. Et puis, elles se consomment. Ça, c'est vachement cool. Parce que les bougies qui consomment jamais, ça, c'est... Voilà, quoi. Donc, après, on a le terrain vague. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la coupe de cheveux de la Simset ici, la coupe de cheveux du Sims. J'aime aussi beaucoup de cette Simset-là. Qui me fait un peu penser... Bon, toujours à l'espèce de jaune pisseux, hein, ça, c'est... Voilà. Mais qui, du coup, me fait penser un peu, je sais pas, un espèce de mélange entre Dina et Summer, vous voyez? C'est, on dirait que Dina et Summer ont eu un enfant. Et bah, si ça arrivait, ça serait elle. Bref. Bref, ça peut être pas mal. Là, la coupe un peu moins. Mais les deux, là, me plaisent beaucoup, beaucoup. Donc là, je sais pas, ça peut être un tableau d'idées, peut-être, un tableau de je sais pas. Donc après une brocante ou un truc où tu vends les choses que tu as fait toi-même peut-être. Alors ça c'est sympa, dis donc, vous avez vu, on pourra mettre les... Oh, alors moi ce que je comprends là c'est qu'on va pouvoir planter nos... Oh, est-ce que vous l'avez vu le réservoir d'eau? Ça j'aime. Je savais qu'ils allaient m'avoir de toutes les façons, même quand je me dis... Oh, ça va pas me plaire. Ils y arrivent, ils sont tellement doués. Donc, bref, le réservoir d'eau, les panneaux solaires, ça c'est good, merci. Et donc, on va pouvoir planter nos fruits, nos légumes en hauteur, dis donc. C'est vachement sympa, ça. J'aime bien cette robe-là. Alors ça, c'est un hôtel à insectes. Et donc, le monsieur fait des câlins assez verts. Voilà, donc ça, nous, on fera pas, nous. Non, non, bah nous, non, on va pas... Voilà, on va pas prendre des verres pour faire des câlins. Non, 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 pas non, 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 non. Ça fait pour partie du deal, ça. Quand tu fais des câlins, t'es vert, si tu veux, y a pas de problème. Hein, Alors là, on arrive plutôt à une espèce de labo, du coup. Là, on est plutôt... Une espèce d'antenne, là, derrière. Et elle fabrique... Alors moi, j'avoue qu'au début, quand j'ai vu l'image, je croyais que c'était un truc pour, je sais pas moi, attraper les fleurs, ou les feuilles, pardon, qui durent... un souffleur de feuilles. Pas du tout. A priori, c'est un aspirateur de pollution. J'aime bien cette coupe de cheveux aussi, je vous le dis. C'est un aspirateur d'air pollué. Très bien. Je devrais utiliser ça tout le temps. Là aussi, j'aimerais qu'on s'arrête 30 secondes sur plusieurs petites choses. Déjà, le toit végétal. Ensuite, les éoliennes. Les panneaux solaires. Ça aussi, j'aime beaucoup. L'échelle. Est-ce que tu la vois, l'échelle? Alors... Moi, je l'aurais pas forcément mis en extérieur. Mais moi, d'un autre côté, je suis nulle en construction. Donc moi, j'avoue que je l'aurais bien mis genre en intérieur pour accéder au grenier, tout un truc comme ça. Mais bon, d'un autre côté, pour ce que je construis, vous voyez. Ce qui permet aussi, du coup, de faire des jardins sur les toits pour les petits terrains quand il n'y a pas assez de place. Donc ça, c'est plutôt bien. Des panneaux solaires que tu peux aussi mettre au sol, éventuellement. C'est cool, ça. Et hop, il glisse, il glisse. Là, comme ça, pardon. Excusez-moi, c'est les joies simples de l'existence. Donc ça, je pense qu'on est plutôt sur des éléments du décor qui changent en fonction de si on dépollue la ville ou pas. C'est alors, j'arrive pas à savoir si c'est une espèce de mobylette électrique ou si c'est un vélo un peu... Un vélo électrique, peut-être. Donc là, je sais pas, il y a une machine en extérieur. Ah! Alors, vous voyez, on a l'impression que les fleurs, elles sont dans des bacs un peu spéciaux. Ça se trouve, la machine, elle étudie un peu les fleurs pour vous dire un peu si ça va bien ou pas, ou je ne sais quoi. Bon, après, le style des maisons, je vous cache pas que c'est pas mon délire. Hein. Non, c'est pas ce que je préfère là, hein, clairement. Alors, voyons voir tous ces petits vêtements qui vont bien. Donc ça, c'est la robe que j'aimais bien tout à l'heure. Là, les trois, c'est pas la peine. Hein. Moi, il va falloir passer au relooking à un moment donné. La salopette, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Et puis ça, ouais, faut voir les couleurs, mais ouais. Allez, on va dire moite-moite. Allez, j'aime bien 4 tenues sur 7. Ça va, on dépasse la moyenne. Faudra voir dans le CS. Et voilà, et c'est fini pour le trailer de ce prochain pack. Bah écoutez, c'est pas mal. Donc, mon avis sur la question.
j'en vois pas assez pour me faire une vraie opinion. Il y a des choses qui me plaisent. Les bougies que tu peux fabriquer, qui se consomment. Ça, c'est un niveau réalisme, c'est le top. Le récupérateur d'eau. Les panneaux solaires, les éoliennes, encore faut-il voir comment ça fonctionne. Les nouveaux bacs à fleurs pour essayer de, voilà, l'échelle, ça j'ai beaucoup aimé. Voilà, il y a des éléments qui me plaisent. Après, faudra voir en termes de gameplay. Comment ça se passe de changer la ville? Est-ce qu'une fois qu'on l'a changé, c'est pour tout le temps? Est-ce qu'il faut tout le temps faire des nouvelles choses? Est-ce que ça va s'appliquer aux autres villes aussi? Est-ce que les autres villes, si on s'en occupe pas, il va y avoir une espèce de brouillard de pollution ou pas du tout? Tout ça reste un petit peu flou, je pense, donc ça on verra après. Donc pour l'instant, je reste pas totalement déçue, ça va. Pas complètement satisfaite. Il va falloir que j'en apprenne un petit peu plus avant de me faire vraiment une opinion. C'est mieux que ce que j'avais craint, on va dire. Mais c'est pas aussi bien que ce que j'avais espéré. Alors ça, si c'est pas une phrase de politicien, je m'y connais pas. Moi, tout ce que je note, c'est que effectivement, ça fait 6 ans que je fais des maisons bunkers et que genre maintenant c'est devenu officiel, tu vois. Donc maintenant il y a des grands constructeurs qui vont faire des maisons bunkers, tout le monde va trouver ça génial. Quand c'était moi, c'était nul. Hein. Je vous rassure, ce sera toujours nul après, mais bon, pas de détails. Et puis avec les mouches, voilà, ça m'a beaucoup fait rire. Eh ben écoutez les amis, je pense que c'est tout pour cette vidéo réaction. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous êtes déçus? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que ça vous hype un petit peu? Est-ce que vous en avez rien à fiche? Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce trailer? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Qu'est-ce que vous avez vu que j'ai pas vu? Parce que je dis pas grand-chose mamie, hein, donc voilà, tout ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou où vous voulez. J'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé et de pouvoir échanger avec vous là-dessus. Et surtout, j'ai hâte de mettre la main dessus pour pouvoir en découvrir un petit peu plus. Voilà, je vous fais plein de gros bisous les amis. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !